Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Chacun des époux conserve en mariage ses noms et prénoms. Il exerce ses droits civils sous ses noms et prénoms. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de concert la résidence familiale en l'absence de choix exprès. La résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille exercent leurs principales activités. Et enfin, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. C'est ce qui veut dire que Patrick devra faire la vaisselle. La plus merveilleuse des choses dans la vie est la découverte d'une autre personne avec laquelle notre relation acquiert une profondeur, une beauté et une joie grandissante à mesure que le temps passe. La progression intérieure de l'amour entre deux êtres humains est une chose des plus extraordinaires. Elle ne peut pas être trouvée en la cherchant ou en la souhaitant passionnément. Il y a une sorte de destinée en elle, et quand cela nous arrive, nous devons en prendre bien soin. Donc, même après 8 ans, vous allez continuer de vous découvrir étape par étape, pétale par pétale, pétale par pétale, mystérieusement, merveilleusement, comme le printemps qui fait éclore la première rose. Alors, chérissez votre temps ensemble, car la vie est un cadeau. Et cette cérémonie de mariage ne marque ni un début ni une fin dans votre relation, mais une étape dans un processus continuel de changement et de croissance. Votre relation doit continuer à se développer dans de nouvelles dimensions, et si vous pouvez garder le cap alors que vous avancez ensemble dans la vie, votre mariage demeurera une source de force nouvelle et d'inspiration pour vous, vos parents, vos enfants et vos amis. Comme vous le savez, il y aura certainement des erreurs, il y aura des temps de tension et de conflit. Mais n'oubliez pas, même après la pire tempête, le ciel redevient clair et rempli d'espoir. Et que c'est alors que les arcs-en-ciel apparaissent. Alors, lorsque les tempêtes de la vie s'élèveront, vous êtes appelés à tenir l'autre très près de vous. Ainsi, laissez votre mariage être un véritable centre de paix, d'harmonie et de chaleur pour l'âme et l'esprit. Que vos bras soient comme un havre de paix, un refuge pour chacun d'entre vous lorsque vous revenez à la maison tous les jours. Ensemble, vous vous guérissez l'un et l'autre, vous vous équilibrez, vous vous aidez mutuellement à grandir, vous comblez les lacunes l'un de l'autre. C'est pourquoi vous vous sentez tellement heureux et en paix. Et ce n'est que le début. Vous avez une vie à savourer, une vie à jouer, une vie pour explorer chacun de vos univers. Quel cadeau merveilleux vous a été donné. Alors nous sommes ici réunis afin de célébrer l'amour que Nancy et Patrick éprouvent l'un pour l'autre et pour reconnaître leur décision d'unir leur vie. Dans cet état matrimonial, ces deux personnes seront unies. Alors, Patrick, voulez-vous prendre Nancy qui est ici présente pour votre légitime épouse? Allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira, vos espoirs et vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à partir de ce jour? Allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira, vos espoirs et vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à partir de ce jour? Oui, je le veux. On peut les applaudir. Alors, Rémi, c'est très bien d'avancer. Alors, la coutume d'échanger un anneau de mariage est une des plus belles anciennes traditions nuptiales. Cette coutume remontait au temps des anciens Égyptiens. Ils offraient et plaçaient un anneau de mariage sur l'annulaire de la main gauche, croyant que ce doigt portait une veine reliée directement au cœur. Alors, ces alliances scelleront ici le gage d'amour et de fidélité entre Nancy et Patrick. Le métal précieux qui la compose représente la sincérité de votre engagement. Il est résistant, endurant et ne ternit pas. Il reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Comme vous les portez, rappelez-vous de votre amour éternel et de votre dévotion à l'autre. Alors, Patrick, veuillez passer l'alliance au doigt de Nancy.
Alors Patrick va y passer l'alliance aux voix de Nancy, la regarder dans les yeux et répéter après moi. Répéter après moi. Nancy, je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Comme gage de mon amour pour toi. Comme gage de notre amour pour toi. Et de mon engagement envers toi. Et de mon engagement envers toi. En donnant et recevant cette alliance. En donnant et recevant cette alliance. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Avec pour la vie. Avec cette alliance. Avec cette alliance. Je te donne Nancy. Je te donne Nancy. Tous les trésors de mon cœur. Tous les trésors de mon cœur. De mon esprit. De mon esprit. Et de mes mains. Et de mes mains. Alors, Nancy va y passer l'alliance aux voix de Patrick. Se regarder dans les yeux et répéter après moi. Regarde Patrick sans s'en faire. Patrick, je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Comme gage de mon amour pour toi. Comme gage de mon amour pour toi. Et de mon engagement envers toi. Et mon engagement envers toi. En donnant et recevant cette alliance. En donnant et recevant cette alliance. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Avec cette alliance. Je te donne Patrick. Je te donne Patrick. Tous les trésors de mon cœur. Tous les trésors de mon cœur. De mon esprit. De mon esprit. Et de mes mains. Et de mes mains. Alors, je vous donne maintenant ces recommandations. Rayonnez l'amour infini l'un envers l'autre. Que cet amour s'exprime par des actes, des paroles et des silences. Qu'il y ait en vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant. Soyez conscient des besoins de votre partenaire et prêt à les combler. Parlez lorsque l'autre a besoin d'entendre. Écoutez lorsque l'autre veut parler. Touchez quand l'autre a besoin d'être touché. Étreignez-vous lorsque l'autre a besoin de contact. C'est le toucher que vous avez. Laissez à l'autre de l'espace lorsqu'il va être seul. Créez une atmosphère qui vous permettra de vous développer totalement. Alors que vous joignez les mains, soyez conscient où vous soyez que l'amour universel vous soutient, vous enveloppe et vous protège. Considérant l'autorité qui m'a été conférée par la loi en tant que ministre du culte du ministère Rose-Vert, mais plus important par le fait que je crois en la puissance de votre amour et à la sincérité de votre engagement, l'amour qui brille dans vos yeux, je crois aussi que ce sentiment est partagé par tous ceux rassemblés ici. C'est pourquoi c'est avec une immense joie et beaucoup de plaisir que je vous déclare mari et femme. Alors, j'inviterai maintenant les nouveaux époux ainsi que les témoins.